Donc approchez-vous, les deux nominés. Donc, c'est une œuvre d'art de tendance néo-moderne, à vocation post-industrielle, signée d'un artiste italien bien connu. Trouver des idées avec Véro. Pour Marc, on m'avait dit ça va pas être facile. Ah là, je peux pas vous laisser dire ça, non ? Non. Ça a été très très difficile. Ouais. Même avec l'aide de Caro. Donc on va commencer par Marc. Tu avais le choix entre un abonnement de 2 ans à mon panier de légumes verts à la cueillette de maison. Ou des bons pour des restos à deux. Bon, donc j'ai vite choisi mon camp. Alors. Voilà. Donc c'est l'enveloppe qui s'appelle Marc Mia. Alors. Donc dedans tu trouveras 2 enveloppes, il y a Marc Miam 1, et évidemment, bravo, voilà, il y en a qui sont, c'est bien, qui vous permettront de trouver, de passer un moment resto à deux, avec un resto sympa, je pense. Oui. Alors, j'ai quand même une suggestion, voilà, donc c'est le restaurant qui s'appelle la Table Saint-Thomas, à Reims, qui est, je pense, approuvé par Bertrand. Voilà. Donc tu peux voir le chef qui est très sympathique. Et c'est un petit resto de quartier, mais la cuisine est divine. Voilà. Donc, l'adresse, les numéros. Je remets tout ça. Que je te confie maintenant. Alors, pour Didier, c'est arrivé aujourd'hui. Alors, voilà. C'est l'enveloppe qui s'appelle Didier Glou. Donc, c'est 2 bons cadeaux pour un atelier œnologique chez CQFD à Tilloy. Donc pour vous deux, après vous choisirez le thème qui vous convient. Et donc je vous le remets donc en main propre.
Alors là, on va passer sur du lourd. Alors, pour Marc, voici trois cartons de boissons que je qualifierais de Marc Approved. Donc il y a celle-ci. Il y a celle-ci. Le mien est plus grand. De la bouteille. C'est pas le cul de l'île, là. Non, c'est pas. C'est quoi? Ouais, ouais, c'est des... Ça s'appelle la bombe. La bombe. Wow. La bombe jaune, la bombe bleue, la bombe rouge. La sève de bouleau. Je savais même pas que ça existait. C'est pour traiter le bois, ça. Voilà, ça c'est cool. Alors, vous disiez, voilà deux cartons. Alors, je dirais. Un qui c'est plutôt tannique. Donc ça c'était pour la partie. Nick, j'ai un autre qui est quand même plus orienté, comme on disait tout à l'heure. Canne à sucre. Thank you.
Mais pas que l'autre. Mais pas que l'autre. Ça va avec. D'Argentine. T'as fait monter à Argentine. Oui, la deuxième. L'autre. C'est le mien. Et comme je disais, pas que. Ah, du cognac. Un cognac XO. Alors, pour Marc, comme d'habitude, il y avait un choix. Donc, tu avais le choix, soit entre 4 palettes de 80 packs de 6 x 1,5 de cristalline. D'accord ? 4 palettes, 80 packs de 6 x 1,5. Ou, alors, là, c'est une suggestion. Ou un séjour à l'hôtel Les Grenelles, à l'île de Ré. Et tes collègues ont insisté. Tu aurais le choix entre chambre ou bungalow, baignoire ou douche. Je crois qu'il faut être un peu initié. Mais si vous voulez plus de détails, venez voir après. Je vous raconterai. Bon alors, non, ça c'était un joke. Alors, Finalement, on a opté pour une enveloppe avec de quoi vous offrir un beau séjour, voire un très beau séjour à l'hôtel de votre choix au bord de la mer quand vous le jugerez bon. Alors j'ai quand même une suggestion. Donc là, j'ai quand même gardé l'hôtel Les Grenettes, hein, parce qu'il est bien, il y a une belle piscine. Et puis là, vous avez les photos de la douche et... on pourrait vous rendre compte que c'est le choix cornélien à faire. Hein. Sinon, vous avez... J'avais comme repéré un hôtel sympa, 3 étoiles à Dieppe. Qui s'appelle l'hôtel Aguado. Voilà, donc celui-ci il me paraît bien. Je ne connais pas, mais il m'a tapé dans l'œil sur internet. Ah, celui-là ? Ils sont du côté. Ah, ben voilà. Voilà. Donc il est Beltran Plou. Et donc dedans, tu as une très belle enveloppe qui vous permettra de passer un excellent séjour. Alors, pour Didier, restons dans les plaisirs à consommer. Alors, voici donc un coffret cadeau qui se présente sous la forme d'une enveloppe et qui comporte un menu pour 2 personnes avec accord mets vins et une coupe de champagne à l'apéritif. Et où ça me direz-vous ? Ah, bonne question. Au château de Courcelles. Qui a l'avantage d'être pas trop loin d'ici. Et donc le retour sera plus facile. Par les petites routes. Les gens, c'est des routes à 3 grammes. Donc ça, c'est le bon cadeau. C'est celui-là, il faut le garder. Il faut spécifier bien au menu de dégustation en 7 temps.
avec les deux accords mévo et deux coups de champagne. Donc là, c'est du. Alors, et pour terminer, même si la majorité des cadeaux seront à partager au sein du couple, nous vous offrons, mesdames, un bouquet de fleurs. Mesdames, approchez-vous. Voici pour vous remercier de nous en départ. Pour tout le travail que vous avez dû faire pour que ce moment soit ce qu'il est. Donc moi je conclurai par quelques mots, à peu près 14, pour vous dire encore merci à vous. Profitez de chaque bon moment et je crois qu'une ovation serait amplement méritée. J'ai comme quelques petites boîtes là, apparemment celui-ci pour Marco il serait bien.